retrouve aujourd'hui samedi. On se retrouve du coup dans un nouveau vlog et ça sera un retour de course pour la semaine. On a été faire des courses à Leclerc, donc c'est parti. Ce soir, monsieur avait envie de se faire une soirée cinéma. Il s'est dit pourquoi pas se faire un, qu'on appelle ça, un apéro dînatoire. Donc c'est ce qu'on va se faire ce soir. Donc c'est pour ça qu'on a voulu aussi y aller. Et des petites choses pour cette semaine, mais il nous reste encore des petites choses dans le congélateur ou quoi. Les grosses courses, je les ferai la semaine prochaine à la fin du mois. Donc voilà. C'est parti. Du coup, on a repris de la salade. On a pris pour le petit déj, je trouve que ça valait vraiment le coup. Ils étaient en promo, enfin, en promo, en date courte. Franchement, ça vaut trop le coup. Donc, on en a pris deux. On a pris des petits pains de mie comme ça, pain complet. Je prends que du pain complet maintenant. On a pris cela parce que je vais vous montrer. Du coup, c'est pas les mêmes. Si, sauf que c'est pas le même packaging. Bref, je vais vous montrer en vidéo ce que je vais préparer ce soir pour l'apéro dînatoire. Pour l'apéro dînatoire, j'ai pris ces petits bouts, ces bouts de fromage là aux chèvres. Voilà, j'ai pris ça. Pour ce soir, monsieur et moi, donc moi j'ai choisi ça, donc on va pas tout manger, hein, à peine la moitié. Et ça, avec tout ce que je vais faire, donc des petits chips. J'ai pris des mini pizzas comme ça. On a pris du chèvre, donc ça je ne sais pas si c'est pour ce soir, mais je pense que ça sera plus dans la semaine pour faire une salade de chèvre chaud. J'ai repris du poulet comme ça. J'en ai repris un tout petit paquet parce qu'il m'en reste dans le congélateur. Donc là, on est en rééquilibrage alimentaire, mais c'est notre plaisir. On se fait un plaisir dans la semaine ou dans le week-end. Donc là, c'est ce week-end, donc c'est notre petit plaisir. Je préfère vous dire parce qu'avant qu'on dise, ah, je crois que tu étais en rééquilibrage alimentaire, en fait tu manges de la. Je me justifie pas, mais juste je le dis quand même au cas où. On a pris du jambon comme ça. On aime beaucoup. Parce qu'en plus, j'ai acheté un melon. Donc voilà. Pour les petits sandwichs, ce que je vais faire, c'est des club sandwich, je sais pas comment on appelle ça. Je m'inspire un peu sur Bébé Pulpeuse parce qu'elle fait des apéros dînatoires vraiment trop bons. Ça m'a l'air trop bon, donc je me suis un peu inspirée sur elle. Donc j'ai pris du blanc de poulet comme ça. Et pour la semaine, j'ai repris du blanc de poulet comme ça. J'ai pris du cheddar et du fromage à croque-monsieur. Voilà. J'ai pris de l'emmental. Donc, je vais faire des petits dés d'emmental piqués avec. Je vais prendre un cure-dent et je vais piquer de l'emmental avec de la tomate. Je vais faire un petit truc sympa. On a repris du chèvre parce que monsieur il va vouloir que je fasse du chèvre chaud ce soir aussi. On va faire un bon petit truc ce soir. On a pris une pizza pour ce soir et une autre que je vais congeler. Du coup, ça peut toujours dépanner. J'ai pris ces petites choses-là. Moi, je trouve que j'aime bien. Pour mettre deux, trois petits dans la salade, c'est bon. C'est des petits crackers, ça. C'est bon. C'était en promo, donc pourquoi pas. Dans la semaine, je vais me faire une tarte tomate. Donc, j'ai pris une pâte, donc deux pâtes. Ça sert toujours. J'ai repris mon huile d'olive parce que je cuisine que à l'huile d'olive maintenant. J'ai repris mon beurre comme ceci parce que je prends que du beurre comme ça, bio, végétal. Voilà, je fais attention. Et j'ai pris, il a vu, mon mari a vu une promo sur les confitures, donc il a pris, comment on dit, abricot, fraise, et il a pris plusieurs fruits mûrs, je sais pas quoi. Voilà. Il a pris ces petites confitures là. Et pour lui, je lui ai pris son fromage favori. Il adore ça à l'apéro. Il adore ce fromage-ci. Donc j'en ai en pris deux. Il a voulu le fromage Madame Louise. Donc on a repris un petit fromage Madame Louise. J'ai repris des tomates pour faire pour ce soir dans mes clubs sandwich. Et pour mettre dans la semaine pour ma pizza tomate. Donc j'ai pris des grosses tomates. Et j'ai pris aussi des pommes. Je prends plus de gâteaux. J'arrête les gâteaux. Pour ma pause, j'ai pris une pomme. Donc j'ai assez de pommes pour toute la semaine. Donc si j'ai un creux, je mangerai une pomme maintenant à ma pause. C'est meilleur. Et j'ai pris des petites tomates cerises parce que c'est la base. Chez nous, on adore ça, surtout mon mari. Donc j'ai pris des petites tomates cerises comme ceci pour l'apéro. Pour l'apéro, j'ai pris aussi. Des concombres, j'en ai pris deux, mais pour ce soir, je vais en prendre que la moitié. La moitié, ça va me suffire.
Et j'en ai pris un deuxième. Ça sera pour dans la semaine. Et pour mes pauses aussi, si des fois j'ai pas envie de pommes, et ben je prends de la compote aux pommes. Comme ça, à boire. Je trouve que c'est plus pratique. On a pris des bananes. J'ai pris un melon pour ce soir. Pour manger avec ça. Voilà. J'ai pris du raisin. On a pris, je vais pas le porter, un gros pack de bière que vous voyez, il est en promo. Il y a un panaché, pack de bière, comme je dis. Pack de panaché, il y a 20 panachés dedans. On a pris une grande baguette et du sopalin. Et j'ai été aussi chez Action. Je suis contente, j'ai trouvé ce que je voulais. Mais vous aurez prochainement un haul Action. Voilà, je vous laisse, je range tout ça. Et on se retrouve plus tard. Coucou tout le monde. Du coup, il est bientôt 19h. Dans 10 minutes, il est 19h. Donc, j'ai au moins une heure pour préparer l'apéro dînatoire. Donc, vu que j'ai pas mal de petites choses à faire, bah, je me suis dit, je vais commencer de suite. Donc, je vous montre en accéléré. Donc, je vous montre déjà ce que j'ai en tête. Avec le pain de mie, je vais faire des club sandwich. C'est-à-dire, je vais en faire différents. Je vais faire des club sandwich avec, du coup, avec. Est-ce que j'ai sorti? Oui, j'ai sorti. Avec. Donc, je vais tartiner de Madame Louis sur le pain et je vais mettre du blanc de poulet. Je vais couper en quatre, comme ça, ça fera des tout petits club sandwich. Je vais en faire aussi du coup avec du blanc de poulet, de la tomate et de l'emmental comme ça. C'est du fromage pour cordon bleu normalement, croque-monsieur. Je vais faire les club sandwich, deux types de club sandwich, bref, j'ai du mal à le dire, vous avez compris. Ensuite, je vais faire des tomates cerises que je mets dans un petit bol. Je vais couper en carré de l'emmental. Je vais faire ça. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Le fromage, je vais le laisser dedans. Je vais pas m'amuser à le mettre dans un plat. Ça évite de la vaisselle, clairement. Donc, ça, c'est déjà fait. Ça, pareil, le petit fromage comme ça que mon mari aime bien. Je vais juste le laisser dedans. Je vais l'ouvrir et le mettre sur la table comme ça. Ça évite la vaisselle. Je vais prendre des petites cacahuètes que je vais mettre dans un petit bol aussi. On va prendre les petites chips comme ça, que je mettrai aussi dans un bol, du coup. Les petites tomates, pareil, dans un bol. Je m'organise en même temps. Je pense que je vais commencer par les sandwichs. Et puis, je couperai tous les légumes et le fromage au dernier moment. Voilà. Allez, c'est parti pour moi. C'est parti pour l'apéro dînatoire. On commence déjà par ça. Après, on verra si on a faim. Si on a encore faim, on fera les pizzas et le chèvre chaud. On verra. Mais déjà, on commence par ça. Du coup, voilà comment j'ai fait. J'ai mis plein de petits dés de fromage, du concombre, des tomates et de la fromage Madame Louis parce que monsieur voudrait tremper ça dedans. Les petits gâteaux apéritifs, cacahuètes, chips et mes club sandwich. Franchement, ça a l'air trop bon. Voilà. Coca pour monsieur et Perrier pour moi.
C'est parti devant Harry Potter. Petit dessert chef feuilleté. Voilà ce que monsieur nous a pris. Donc, petit macaron pour moi. À la framboise. Et un ça quoi? Toi. Un gâteau, excusez-moi. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, c'est un gâteau, je crois caramel chocolat, un truc comme ça. Et moi, voilà, le petit macaron framboise. Bon appétit à Bien nous. sûr. Et on est encore sur Harry Potter. Donc voilà, on a vu, monsieur. Bien évidemment, on n'a pas tout mangé, l'apéro dînatoire, on a rangé. Donc, voilà, dernier petit soirée avant la reprise du boulot. Pour toi, pas pour moi. Ouais. Moi, j'ai appris il y a des milliers de semaines. Pour moi, ouais. Donc voilà, Voilà allez, pour c'est parti pour le dessert. Je vous avec dis, un petit ourson. ouais, je vous dis à demain. Il aime bien, oh, il aime bien. Alors, hein. Bah Allez. ouais, heureusement, faut pas que ça. Hello tout le monde. On se retrouve aujourd'hui, mercredi. On est combien de mercredi? Je ne sais plus. Vous verrez au montage. Je vous reprends 4 jours plus tard. Je pense que vous voyez ma tête. Une tête de déterré. Manon a une gastro. On est content. Bref, du coup, je vous ai laissé. Je vous ai laissé quand? Moi, je crois samedi soir, quand je vous ai montré mon autre petit apéritif là. Et puis qu'on a regardé Harry Potter du coup. Donc c'était une bonne soirée, franchement. On a mangé devant Harry Potter et tout ça. Devant la première saison, on va dire. Et ensuite, une fois que c'est fini, moi j'ai été dans la chambre me reposer. Parce que j'avais envie de regarder The Vice Kids et monsieur voulait jouer à la PlayStation. Donc on a fait ça. Et puis du coup, qu'est-ce que. Puis après j'ai dormi tout le dimanche. Le dimanche se passe tranquillement. Voilà, dimanche, on n'a rien fait d'extraordinaire. On a regardé la télé, on a regardé le deuxième Harry Potter dimanche, et puis on a regardé d'autres films. On a fait journée canapé. Voilà, dimanche. Et puis dimanche en début de soirée, je commençais à avoir mal au ventre. Mal au ventre, et je me suis dit, oh, bah, peut-être que j'ai mangé un truc qui n'est pas passé. Et des fois, ça arrive. Moi, je suis assez fragile là-dessus. Des fois, quand je mange un truc, bah, j'ai vite fait mal au ventre quand ça passe pas. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, peut-être que demain matin, ça passera. J'ai pris un Doliprane. Et puis, après, je me suis endormie, tout ça. Arrivé le lundi, donc, le retour au boulot. Le réveil, franchement, ça a été. C'était pas trop compliqué, ça a été. Donc voilà, ma journée se passe tranquillement au boulot et tout. Mais vers 5h, je commençais à avoir remal au ventre. À 17h, quoi. Je commençais à avoir remal au ventre. Je me suis dit, c'est quand même bizarre. La veille, j'avais mal au ventre. Là, j'ai remal au ventre. Je me suis dit, peut-être ce que j'ai mangé au self, peut-être qu'il y a un truc qui n'est pas passé non plus. Et du coup, bah, la soirée se passe. J'étais tranquillement en train de regarder L'amour est dans le pré lundi soir. Et là, des barres dans le ventre, mais des barres, des douleurs, mon Dieu, il fallait que j'aille aux toilettes, donc voilà, je vous raconte pas. Donc du coup, de 22h jusqu'à, je dirais bien jusqu'à minuit, j'ai fait lit toilette, lit toilette, lit toilette, mal, mal, mal au ventre. J'ai réussi un peu à m'apaiser et tout ça, et je me suis endormie, je me suis réveillée à 1h du matin avec une douleur, c'est la douleur qui m'a réveillée en fait, des brûlures dans toute la partie du ventre, du bas jusqu'en fait. Du bas de mon ventre jusqu'à l'estomac, en fait. Ça me brûlait de partout. Et là, obligée d'aller aux toilettes aussi. Donc, de 1h du matin jusqu'à bien 2h30, je suis restée aux toilettes. Voilà. Aux toilettes. Et après, bah, j'ai été me coucher. J'ai essayé de me rendormir. J'ai eu du mal à m'endormir. Donc, je me suis endormie à 3h du matin. Voilà. Et puis, bah, le lendemain matin, j'étais KO. J'avais encore mal au ventre. Comme si j'avais. J'aime pas. Dire ça sur YouTube, mais bon, c'est la vraie vie. Comme si j'avais des gaz et que ça voulait pas sortir. Et comme si j'avais aussi. Comme si j'étais enflée à l'intérieur, irritée en fait. Et je pense, oui, j'étais irritée. En fin de compte, le médecin m'a confirmé que oui, c'est normal. Donc voilà, une bonne gastro. Donc hier matin, pareil, ça a continué d'aller aux toilettes. Hier après-midi, ça allait un peu mieux. Hier soir, ça a été. Et ce matin, pour l'instant, rien. Donc le truc, il ne faut pas que je me retrouve du coup
Bah, comment on dit Ah. Constipée. Le but, c'est pas que je me retrouve constipée du coup, donc voilà. Donc ça va un peu mieux. La douleur de ventre est là actuellement quand je vous parle, j'ai presque plus mal. Donc voilà. Les cachets font effet, donc voilà. Voilà, donc du coup, je suis en arrêt depuis hier jusqu'à jeudi et je reprends le boulot vendredi. Donc voilà pour tout ça. Ah bah je vous dis ça fatigue, hein, vu que je suis restée mardi matin, monsieur, je lui dis je reste à la maison, donc j'ai appelé le boulot, le médecin pour un rendez-vous. Du coup, j'ai dormi de 8h jusqu'à 11h30. Moi, je fais jamais ça. C'est que vraiment, j'étais KO, KO, KO. Donc voilà, tout ça pour ça. Et du coup, bah, j'étais chez le médecin hier après-midi. Et puis voilà, voilà pour ça. Bref, parenthèse fermée, j'arrête de me plaindre, mais c'est une bonne gastro. Donc j'espère que ça continue, que ça va se terminer tranquillement. Donc pour moi, la gastro, elle a commencé dimanche. Hein. Dimanche, lundi, mardi. Donc c'est pour ça, peut-être qu'aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. Normalement, les gastros sont entre 3 et 4 jours minimum. Donc voilà, je mange très peu, dans le sens, c'est pas plus mal, comme ça je peux maigrir. Je bois beaucoup plus, faut que je boive énormément pour pas m'hydrater. Et puis voilà, et puis là je regarde actuellement, du coup, c'est la famille, là, les trucs des Marseillais de Julien, Paga et Manon, Tanti et toute la clique. Et comment Jessica. Donc je regarde ça parce que je regarde en replay parce que je suis en retard. J'ai pas regardé tout l'été. Donc je rattrape ça. Comme ça, je regarde ça tranquillement. Et puis voilà. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en début de soirée, toujours mercredi, il est 18h. Je vous prends parce que j'ai reçu un colis. Enfin, j'ai envie de vous dire, après 2 mois d'attente, toute une histoire, ce fameux colis. Voilà. Que je vous raconte. J'ai commandé fin juin, début juillet, j'ai commandé un produit sur Vinted d'une abonnée. C'est la deuxième fois que je commande. Je crois que c'est la deuxième fois. Ouais, c'est la deuxième fois que je commande. Et cet article-là, je le voulais trop parce que c'est une nouveauté make-up. Donc c'est un blush. Et je le voulais trop. Et en plus, elle vendait vraiment pas cher. Donc je le voulais trop. Je l'ai commandé et tout. 2 semaines passent, 3 semaines passent. Je trouve que ça fait long et tout. Je reviens de vacances. Normalement, début août. Il devait arriver début août au retour de mes vacances. Quand je suis partie chez Mélanie. Une fois que je partais de chez Mélanie, normalement, il devait arriver dans la semaine. Il était pas là. Donc. Du coup, ma Vinted, mon abonné, donc Morgane, on se parlait tous sur Vinted et tout. On se trouve que c'est bizarre. On se dit, mince, c'est un colis perdu, c'est chelou. Je me suis dit, ça vient des JO, parce qu'avec les JO qu'il y a eu à Paris, là, il y a eu des retards de colis, il y a eu des colis perdus et tout ça. Je me suis dit, c'est quand même bizarre et tout, ça m'embête et tout. Et en plus, quand on était en train de parler, elle me dit, c'est dommage, en plus, je t'ai rajouté des choses dans le colis et tout. Oh, j'étais verte pour elle, d'une, pour pas qu'elle aille passer sous, parce que. Bah, c'est dommage quoi, et puis de me faire rembourser, ouais, je m'aurais fait rembourser, mais ça m'ennuyait de ne pas avoir le colis et tout. Et puis il y a une semaine, il y a une tête qui m'envoie un truc et tout pour que je me fasse rembourser. Et puis je regarde dans le suivi, c'est écrit le colis, déjà ça faisait plus d'un mois qu'il bougeait plus, il était resté bloqué. Et là, la semaine dernière, j'ai vu qu'il bougeait. Donc je disais à Morgane, j'attends encore jusqu'à lundi, donc en parlant de lundi là. Heureusement que j'ai attendu encore un petit peu. Et du coup, il est arrivé aujourd'hui. Donc, il a mis 2 mois à arriver. Je ne sais pas ce qu'il a foutu, mais plus important, c'est qu'il est là. Donc, je l'ai pré-ouvert. Hein. Donc, je vais ouvrir avec vous déjà. Alors, hop, je vais mettre ça comme ça là. Je vois bien que c'est bien emballé. Alors, je ne sais pas ce qu'elle a mis dedans, mais c'est bien emballé. Alors, tout d'abord, oui, je crois que c'est ce qu'elle m'avait dit, un masque. Apparemment, c'est un masque. Donc, ça vient de chez Action. Je ne l'ai jamais testé. Donc merci beaucoup, c'est hyper gentil de me mettre un truc en plus. Je vois la palette parce qu'elle m'avait dit que c'était une palette. Et là aussi un autre truc. Donc elle m'a rajouté plus de choses que prévu. Et du coup, ça doit être la petite chose, ouais, c'est ça. La petite chose que je lui ai achetée. Donc c'est un blush. Je vais allumer un peu peut-être.
Oh, la lumière jaune là, comme ça, c'est chiant. Attendez, je règle mon truc. Voilà. Donc, c'est les nouveaux blushs de chez NYX. Elle les vendait pas cher. Avec les frais d'envoi, j'en ai eu pour 10, 9 euros ou 10 euros. Je crois que c'était pas cher. Donc, la teinte, moi, c'est la teinte 9. Donc, je suis trop contente. J'étais prête à recommander sur Bougie Shop, le payer. Normalement, c'est 14 euros, je crois, ça. Là, je l'ai payé vraiment pas cher avec les frais d'envoi. Et il est trop beau. Il est comme ça. Il est un peu foncé. Il est irisé. Oh, oui, il est beau. Je peux même m'en servir en tant que fard à paupières. Il serait peut-être un peu foncé sur ma peau, peut-être, non? Bon, on va essayer. J'ai des crash test make-up à faire en plus. Donc, on essayera. Mais je suis trop contente de mon article. Vraiment. Je suis trop contente. Donc, voilà. Après 2 mois d'attente, je l'ai. Enfin. Hop. Bah, ça, je vais garder ça. Ensuite, je vois un autre petit produit. Oh, je connais pas du tout la marque. Je connais pas du tout la marque. Je l'ai entendu, mais je l'ai jamais testé. Et ça m'a l'air de la bombe. Un petit fard à paupières comme ça. Oui. Oh. Très joli. Franchement, merci beaucoup. Fallait pas en rajouter, hein. C'est hyper gentil. Donc, à tester aussi ça. Hop. Donc, ensuite, je vois une enveloppe. Et c'est quoi alors? Oh, non! Une palette. Oh, je la voulais trop celle-là. La palette Coca-Cola en collaboration avec Morphe. Ouais, on m'avait dit que c'était une palette Morphe. Waouh! Je la voulais trop celle-là en plus. Elle est magnifique. Trop, trop, trop belle. Ah ouais, à deux tester. Les paillettes là. Oh. Il y a d'autres petites paillettes là. Oh, lui. Le bleu, il a l'air beau. Oh, ça a l'air canon. Franchement, merci beaucoup, mais fallait pas. Fallait la vendre sur ton Vinted. En plus, une palette Morphe, c'est pas donné, quoi. Mais Coca-Cola, ouais, je voulais trop tester. Je l'avais vue, donc c'est une ancienne collaboration. Hein. Elle est vieille, celle-ci, mais franchement, je voulais la tester. Et bah, franchement, je suis trop contente. Franchement, merci énormément. C'est trop, trop gentil. Des lingettes. Ah oui, c'est vrai, j'ai plus de lingettes. Allez. On va prendre des nouvelles lingettes de chez Creutzwaelt. Je crois que j'ai tué le paquet. Attendez. La palette, je suis trop contente de l'avoir. Trop gentil. Hop. Hop. Et normalement, le petit homme a rajouté aussi un petit. Ah oui, ça, c'est le petit papier de Vinted, du coup. Et un petit masque de chez Action. Donc, merci pour ces cadeaux, du coup. Franchement, fallait pas me rajouter tout ça. Franchement, c'est trop gentil. Je ne sais pas si tu passeras par là, mais si tu passes par là, mets-moi un petit commentaire. Et franchement, merci beaucoup pour les 3 petites choses. Pour les 4 petites choses, qu'est-ce que je raconte, moi? Pour ces 4 petites choses, franchement, merci beaucoup. Tu vas voir dans mes vidéos, ça sera utilisé. Et puis franchement, bah, j'ai hâte de tester ce petit blush. Et je pense que je prendrai une couleur un peu plus claire. Parce que j'avoue que c'est vrai que ça fait un peu foncé en vrai. Par contre, le packaging à ouvrir, il est casse-pied. À ouvrir, franchement, voilà. Je vous remonte. Mais c'est vrai que au jour, vous voyez, ça fait un peu foncé. C'est vrai. Sur la photo, ça fait pas pareil sur le site ou sur la photo. On verra. On verra, mais voilà, je suis trop contente. Donc, voilà, ça me donne un peu de sourire parce que ces derniers jours, pas très rigolo. Yo! Vous voyez qu'à ma tête, ça va beaucoup mieux. On se retrouve vendredi soir, il est 21h30. Je viens de sortir de ma douche. J'ai mis ma belle chemise de nuit Hello Kitty que j'ai achetée à Primark. Que vous verrez que du coup vous voyez derrière, je sais pas si je vise bien, je vais essayer de me reculer. Donc voilà pour la petite chemise de nuit. Voilà, trop contente de ma petite chemise de nuit. Du coup, je vous reprends qu'aujourd'hui, donc vendredi.
Vendredi, je ne sais plus combien, on est le 30. 30 août. Demain, on est le 31. Demain, on est le 31 août. Voilà. Et du coup, bah, dimanche, on est le 1er septembre. Trop contente. J'ai trop hâte d'être en octobre pour qu'on soit en mois d'automne. J'ai hâte de faire ma déco d'automne. Vous verrez prochainement, en septembre, un haul automne que j'ai fait à Action. Vous devez les voir là derrière. Je vais vous faire une déco d'automne en octobre. Spéciale déco d'automne ou dans un vlog. Je sais pas comment je vais le faire, mais j'ai trop hâte de faire ma petite déco d'automne. Voilà. Je suis pas ça d'habitude, mais là, je sais pas. Je regarde tellement de trucs sur les réseaux que les gens me donnent envie de faire de la déco d'automne. Donc, voilà. Bref, tout ça pour vous dire que bah, on est vendredi soir et que ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux, moi, au niveau de ma gastro. J'ai plus la gastro. Clairement, je l'ai plus. J'ai quand même morflé pendant dimanche, lundi, mardi, mercredi. Pendant 4 jours, j'ai morflé. Franchement, c'était une sacrée gastro. Mais là, ça va quand même beaucoup mieux. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, allez, ça va nous faire du bien. Voilà. On va se faire un petit KFC. Donc, petit KFC, monsieur était content. C'est rare qu'on fait des fast-food. Vous savez que je suis en rééquilibrage alimentaire, mais une fois dans le mois, je me fais un plaisir. Donc là, c'est le plaisir du mois, KFC. Et après, tout le mois, je ne me ferai pas d'autres gros plaisirs comme celui-ci à KFC. Donc voilà, je préfère le dire avant qu'on me dise « Ouais, tu dis que tu fais attention, mais en fait, tu manges de la malbouffe, tu manges des frites et un hamburger. Hein, » les gens rageux, je préfère prévenir que guérir. Bref. Du coup, voilà, c'était un très bon petit KFC. On a pris un menu à 5 euros. Parce que je trouve que c'est pratique, 5,99€, donc pour dire 6 euros. Donc voilà. Et puis en supplément, on a pris des petites croques aux chèvres. Et puis une petite glace, une glace pour deux au Nutella. Donc voilà, c'était très très bien. Là, comme je vous ai dit, je suis sortie de ma douche. Ça m'a fait trop du bien de prendre ma douche. J'ai mis ma petite crème du soir. Voilà. Et puis. Je voulais revenir sur quelque chose parce que dans mes produits terminés, j'ai osé dire terminés au produit du moment, je ne sais plus du tout. J'ai osé dire que ce produit-là de chez Nuxe, c'était une eau de rose. Et du coup, je veux voir vraiment si c'est ça ou pas. Ils disent que c'est un. Ils m'ont dit que c'était. Le commentaire m'a dit c'est un produit démaquillant. Non, j'ai raison. C'est une eau florale de rose. Donc j'ai tout à fait raison. Les gens m'ont dit, certains abonnés m'ont dit que c'était une autre, c'était un produit pour démaquiller, mais pas du tout. C'est écrit là, en tout petit. Alors c'est marqué pour visage et yeux. Là c'est écrit eau micellaire. Voilà, 3 en 1. Visage et yeux. Donc j'essaye de forcer hein, parce que c'est écrit tellement petit. Alors c'est une eau florale. De rose, donc c'est une eau florale de rose, donc ça reste une eau de rose pour moi. Donc voilà, je préfère le dire. C'est entre l'eau micellaire et l'eau de rose, on va dire. Allez, vas-y, pour pas frustrer les gens, pour pas les énerver. Mais voilà, je préférais revenir là-dessus. Voilà, pas grand chose à dire. Le programme de demain. Donc demain, nous faisons nos courses de la semaine. Ensuite, on ira chez Action. Je vous montrerai les petites nouveautés chez Action. J'ai vu sur le Instagrammeuse de Cindy, ouais, sur le Instagrammeuse, sur le Insta de Cindy plutôt, qu'il y avait des nouveaux petits masques pour visage, Titi et Gros Minet, tout ça, je crois que j'ai vu. Voilà, j'ai vu autre chose. Donc, j'aimerais pourquoi pas me les trouver. Et puis, il faut que je me refasse un petit plein de lessive et de souplin. Je commence à être à court, j'aime pas. En avoir en avant, j'en ai encore en avant, j'en ai une bouteille en avance, mais j'aime bien avoir deux bouteilles en avance, donc je vais voir ce qu'ils vendent chez Action du coup. Et voilà, et acheter 2-3 produits ménagers. Et puis voilà, j'en prendrai chez une chez Action et une chez Leclerc, comme ça j'aurai du stock. J'aime bien avoir du stock pour produits ménagers. Et voilà, coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un retour de course Leclerc. Donc c'est un retour de course pour la semaine et des choses que j'ai achetées aussi pour demain car on a invité mes parents à manger à la maison. Donc demain c'est barbecue électrique. Donc pour le barbecue, on a acheté merguez saucisse. Voilà, on a pris ça. On va pas tout faire, hein, on va en congeler une grosse barquette comme ça de cuisses de poulet. Alors mon mari, moi, ma mère et mon père, on adore les cuisses de poulet.
Donc, du coup, je trouve que ça valait le coup. 7,31 €. Il y a combien dedans? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 cuisses de poulet. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Donc, il y aura la moitié au congélateur. Donc, on a pris ça pour le barbecue. Monsieur, pour la semaine, il s'est pris encore des cuisses de poulet. Nous, on adore le poulet. Hein. De toute façon, c'est dans notre alimentation. On mange plus de poulet que de viande rouge. Moi, viande rouge, j'en mange très rarement. Donc, voilà. Ensuite, encore en viande. J'avais même pas vu qu'il avait pris ça. Il s'est pris des pignons de poulet, monsieur. Voilà. Et moi, je me suis pris des escalopes de poulet. Voilà. Moi, je trouve que ça vaut le coup, ceux-là. Ils sont gros, mais moi, je les tranche en deux et ça me fait deux escalopes de dinde dedans. Deux escalopes de poulet, plutôt. Donc, voilà. J'ai pris ça. Moi, c'est dans mon alimentation de poulet. Je mange pratiquement que du poulet. J'ai pris aussi du blanc de poulet. Donc, j'en ai pris deux comme ça. Pour papa, j'ai pris son petit fromage. Hein. Il n'est pas normand pour rien. Et je vous rassure, il sent très bon. Et ils ont encore oublié de me retirer ça. Il m'énerve. Pour cette semaine, on va se faire des avocats. J'aime bien me faire des fois le soir, quand j'ai pas trop faim, un avocat de toast. Donc voilà, j'ai pris ça. On a pris de la salade pour demain aussi. Monsieur s'est pris. Alors moi, je sais pas comment il fait pour manger ça. Moi, j'aime pas. C'est steak haché aux oignons que je mets au congélateur après. Je me suis pris moi mes petits épinards. Voilà. Pour demain, j'ai pris les petites pommes de terre que je vais refaire, vont revenir à la poêle, du coup. J'aimerais trop m'acheter un air fryer. Ça me donne trop envie en ce moment, j'en vois partout. Et pour aussi demain, parce que ma mère, elle adore ça, je vais acheter des brocolis. Donc voilà, ça sera pour demain. Je me dis, pour le prix qu'on a eu, franchement, ça fait cher quand même. Ça monte vite quand même. Bref, moi, je me suis pris des cœurs de palmier. Ouais, c'est ça. J'ai pris ça pour le soir avec une petite salade. J'en ai trop envie. Ce soir, c'est sûr, je vais la manger, la moitié. De la pastèque. Hein. Je profite, hein, l'été est bientôt fini. J'ai pris mon jus d'orange que j'aime beaucoup. Donc, le Joker, celui-ci, et le Joker avec pulpe. Voilà, j'ai pris mes deux jus de fruits. Monsieur s'est pris sa petite confiture de figues. Ma passion en ce moment. J'ai pris une petite boîte d'haricots verts comme ça. Je peux faire gaffe, hein, j'ai pris ces bio comme ça. J'ai jamais goûté. C'est du carpaccio. J'ai trop hâte de goûter. C'est de la soupe froide en fait. Donc là, j'ai pris c'est écrit verte. Donc dedans, c'est que des légumes verts. Donc ça va pas me faire de mal. Donc ils disent quoi dedans? Alors dedans, il y a de l'eau, du concombre, de la courgette, du yaourt, des petits pois, des oignons, du citron, de l'olive, du sel, et c'est tout. Voilà. Je goûterai. On verra. J'ai pris celui-ci dans ce carpaccio-là. Donc je pense qu'il est connu. Bah, en même temps, vous voyez ce qu'il y a derrière. Voilà. On verra si c'est bon ou pas. Je vous en reparlerai. Pour demain aussi, à l'apéritif, j'ai pris du saucisson comme ça. C'était le moins cher. Parce que le saucisson, il faut compter maintenant entre 5 et 6 balles. Je trouve que c'est abusé. J'ai pris des cacahuètes. Ensuite, en légumes, en fruits plutôt, je me suis pris on appelle ça comment? On appelle ça comment? Les avocats qui m'empêchent de le dire. Allez, celui-là qui le trouve. Oh, en plus, je vais monter la vidéo, je vais lui dire, mais. Bah non, mais oui, c'est des. Abricots. J'ai pris des abricots. Donc voilà. En fruits, on a pris des bananes aussi. On en a pris deux, je crois. Ouais, on en a pris deux. Parce que nous, on est des mangeurs de bananes. Et puis, vu qu'en ce moment, on se fait pas mal de bowl cake. Donc, justement, pour les bowl cake, on a pris des flacons d'avoine, un grand paquet et un plus petit paquet. Avec les pépites de chocolat. Voilà, pour l'apéritif, demain j'ai pris des petits dés de chèvre. Parce que ma mère et moi et mon mari, on adore le chèvre. Maman, je sais qu'elle adore ces petites choses-là, donc je lui ai pris ça. Et pour goûter, j'ai vu qu'il y avait des gâteaux apéritifs comme ça à base de chèvre. Oui, on en adore la chèvre. J'ai pris aussi, je voulais que mon mari m'emmène à Grand Frais, mais il n'a pas voulu. Parce que je trouve que c'est meilleur, Grand Frais. Je trouvais que les raisins, ils n'étaient pas terribles. Il me fait, mais si, regarde, ils sont.
Ils sont bien. Donc là, il n'est pas là. Hein. Il est parti se balader. Voilà. Moi, je les trouve pas terribles, mais bon. C'est midi qui sont bien. L'intérêt de les manger. Ensuite, j'ai pris une boîte de sardines. J'ai pris évidemment du chèvre. Hop, du chèvre. J'ai pris du pain aux noix. Il y avait une promotion de petits pois carottes, donc j'ai pris des petits pois carottes. J'ai repris mes petits compotes comme ça pour le boulot. J'ai pris cette marque-là, certes elle est plus chère, et j'ai pris sans sucre ajouté parce que je trouve qu'ils sont sucrés quand je prends pas sans sucre rajouté. Donc j'ai pris cette marque-là, elle est prise à 5 balles, mais voilà, il y en a 12 dedans, et ça c'est ce que je prends pour la pause, pour le boulot. Et puis c'est bien, c'est pratique. Hop, on ouvre. On met comme ça dans le frigo et on peut se servir pas mal. J'ai un compote pour la maison. J'ai pris aussi cela, mais sans sucre. Je prends que de la compote maintenant. Je prends de yaourt, yaourt. Pour demain, j'ai pris des pistaches. Et j'ai pris cela, parce que je sais que ma maman, elle aime bien cela. Voilà, j'ai pris ça. Deux packs de cristalline, un pack de Perrier. On a pris aussi, quoi, j'ai pris surtout parce que moi, j'aime bien. J'ai pris ça aussi. Pour demain, donc saveur mojito, donc voilà, j'adore, bien frais. C'est monté vite aussi parce que du coup on a acheté la lessive, heureusement, parce que à Action plus de lessive, donc voilà, j'ai pris cette petite lessive là, elle était pas chère, à 4 € et quelques, donc j'ai pris celle-ci. Il y en a une que je trouvais qui sentait trop bon, 20 balles le bidon, non merci. Et j'ai pris du coup pour l'adoucissant, cet adoucissant là de chez Leclerc aussi, elle est très très bien. Et j'aime bien aussi la lessive de chez comment, donc, je parle dans le vent et mes poumes vous ne me voyez même pas, voilà, je disais oui, j'aime bien la lessive aussi de chez Lidl. Et j'ai pris aussi les petits cubes comme ça pour faire cuire les pâtes, je trouve que ça donne un petit goût dans les pâtes. Et j'ai une plante qui a du mal à reprendre, donc j'ai acheté de l'engrais. 7 balles. C'est pas donné, mais ça me tient à cœur qu'elle reprenne. Donc voilà, je lui mets un peu d'engrais et ça va lui faire du bien. On a acheté aussi du coup un aspirateur que je vous montre. Parce que je suis là. Parce que ça fait plusieurs mois qu'on n'a plus d'aspirateur. Il nous a lâché avant nos vacances d'été. Donc ça fait un mois et demi qu'on n'a plus d'aspirateur. Je perds patience à balayer l'appartement. Ça fait des moutes partout, ça m'énerve. En plus, j'ai un tapis dans ma salle, j'ai un tapis devant ma porte pour nettoyer, c'est la merde. J'en ai eu marre. On est passé devant par hasard à Leclerc et on a acheté un aspirateur Bosch qui était en promo à 140 € au lieu de 200 €. Franchement, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Donc voilà. Et du coup, il est comme ça. Voilà, c'est un simple aspirateur Bosch, comme dit mon mari, c'est une bonne marque. Donc voilà, je vais pouvoir faire mon ménage de fond en comble, d'aspirer mes tapis comme je veux. Je vous laisse là et je clôturerai, je pense, le vlog demain. Là, j'arrête de filmer, là je range tous mes courses parce que l'heure tourne vite. Et j'aimerais faire plein de choses aujourd'hui, j'ai plein de machines à faire, ranger les courses, bref, j'ai plein de choses à faire à la maison. Donc voilà. Allez, monde, on se retrouve lundi matin comme prévu. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le 2 septembre. Ça y est, la rentrée scolaire pour les enfants. Ça y est, bah moi, mes nièces, ça y est, vont aussi. Bah, aujourd'hui, c'est leur rentrée. Donc, ma plus grande nièce, cette année, elle rentre au lycée. Après, sa sœur. Elle rentre en primaire, donc si je ne me trompe pas, il lui reste encore 2 années en primaire. Et ensuite, ma troisième nièce, elle rentre au collège cette année. Donc voilà pour ça. Alors ce week-end, ça n'a pas été de tout de repos. Comme vous avez vu, j'ai fait les courses, on a fait les courses, j'ai fait tout mon ménage et tout. Franchement, l'aspirateur qu'on a acheté à Leclerc, il est trop bien. Et samedi soir, je fais ma deuxième machine à laver et tout. Je passe l'aspirateur dans la cuisine et puis je dis, oh là là, ça sent fort, ça sent mauvais, qu'est-ce qu'il y a et tout. Ça sent le vinaigre. Et là, je me retourne,
La machine à laver qui fuit de tous les côtés. Panique à bord. J'ai arrêté la machine à laver. Donc, notre machine à laver nous a lâchés. C'est mort. J'ai essayé de lancer une deuxième fois. Non, elle fuit partout. En même temps, elle a 11 ans cette année. Elle partait sur ses 12 ans l'année prochaine. Donc, franchement, elle nous a bien servi. C'est notre toute première machine à laver qu'on s'est mis en ménage. C'est la toute première machine à laver qu'on était dans notre tout premier studio. Donc, voilà. Là, on l'a retiré hier. Mes parents sont venus hier à manger à la maison. Il y avait mes beaux-frères et tout ça. Et j'ai demandé à mon père de m'aider à justement de dévisser en dessous de l'évier. Comme ça, j'ai poussé la machine à laver et j'ai tout nettoyé. Et c'est beaucoup plus propre. Et du coup, c'est beaucoup plus propre. Moi, je bouge, j'ai jamais bougé ma machine à laver, mais les tuyaux et tout, c'était sale et tout. Donc, tout est propre pour... Donc, je disais, tout est propre pour accueillir la nouvelle machine à laver. On ira du coup ce soir à Boulanger la commander. Parce que, bah, voilà quoi, j'ai besoin. Donc, elle est là, l'ancienne. Donc, voilà. Je trouve que depuis que je suis revenue en vacances, tout arrive en même temps. En fin de vacances, j'ai appris des mauvaises nouvelles. Niveau quelqu'un de ma famille, au niveau de la santé de quelqu'un de ma famille. Ensuite, mon mari, je rentrerai pas dans les détails, mais mon mari a eu un accident de travail, donc là il est en arrêt de travail. C'est pour ça que je parle pas trop fort parce que Hitor, il a eu du mal à s'endormir hier. Là, la machine avec qui nous laisse. Hier soir, je prends ma douche, le fil de la douche qui pète. Je crois que tout s'enchaîne. D'autres trucs personnels qui s'enchaînent. Bref, en ce moment, c'est pas trop la joie-joie. J'essaie de garder le sourire, mais je vous avoue que c'est pas trop la joie-joie. Donc, moi, là, aujourd'hui, j'ai rendez-vous à 9h. J'ai un rendez-vous. Voilà. Je dirais pas où, je dirais pas quoi. Mais j'ai un rendez-vous, du coup. Et une fois que j'ai fini mon rendez-vous, je file direct au boulot. Et puis, voilà, jeudi matin, je vais à l'ophtalmo. Et une fois que je sors de l'ophtalmo, je vais choisir mes lunettes. Et du coup... Et bah du coup, comme ça j'aurai mes lunettes la semaine prochaine, mes nouvelles lunettes. Donc voilà, vu que ces derniers mois, ces 4 derniers mois, je fais énormément de migraines. Voilà. En ce moment aussi, depuis une semaine, j'ai des acouphènes dans les oreilles. C'est vraiment gênant, il va falloir que je voie... Parce qu'au boulot, j'ai une infirmière, donc j'irai voir mon infirmière, voir. Ou autrement, bah, je prends encore rendez-vous chez le médecin. Mais je vous jure, les acouphènes, c'est gênant. Que je sois allongée debout, que je fasse ça ou quoi, ça change rien. Voilà, donc là il est 8h, j'ai 1h, mon rendez-vous est juste à même pas 2 minutes de chez moi à pied, donc c'est pas loin. Vous voyez qu'en ce moment je me maquille plus, franchement j'ai pas la tête à ça. Voilà, je suis. Faut que Souken, je voulais filmer, mais j'ai pas eu le temps. Faut que je m'occupe de mon mari, tout ça. Que je m'occupe de la maison et puis la machine lavée qui nous a. Bref, je voulais filmer mon haul action, j'ai pas eu le temps de filmer mon haul action. J'ai pas encore filmé mes produits terminés. Il faut que je filme aussi mon make-up utilisé. Et il faut que je filme aussi un crash test make-up. J'ai 3 vidéos encore à filmer pour le mois de septembre. Et le haul action, là, c'est pour le mois de octobre. Donc, j'ai 4 vidéos à filmer. Si on a le temps ce week-end, on fera ça. Et puis, voilà. Là, je vais déjeuner un tout petit peu. J'ai pas très faim parce que j'ai un petit peu mal au ventre. J'ai mangé le dessert hier midi. Donc, mon mari était à la boulangerie acheter des petits gâteaux. Je ne l'ai pas mangé hier midi, je l'ai mangé hier soir. Et je crois qu'il ne passe pas. J'arrête pas d'avoir mal au ventre. Je suis assez fragile quand il y a des choses qui ne se passent pas. Donc c'est toujours case toilette à chaque fois. Et puis voilà. Voilà pour ça. Le vlog, je l'arrêterai en milieu de semaine. Comme ça, vous l'aurez. Ah bah non, vous l'aurez la semaine prochaine. C'est vrai que moi, j'ai une ou deux semaines de décalage au niveau des vlogs. Je vais l'arrêter en milieu de semaine, je pense, le vlog. Comme ça, la semaine prochaine, je ne vlog pas. Je me concentre sur ma vie personnelle. Et puis voilà. Voilà pour tout ça. En tout cas, je voulais vous remercier au niveau de mes abonnés. Il y a eu pas mal d'abonnements. Je suis à 1880 abonnés. Franchement, merci. Je sens qu'on va bientôt atteindre les 2000 abonnés avant la fin d'année. Ça me monte le moral. Il va falloir vraiment que je demande à quelqu'un qui m'aide pour activer la... Bah pour que je sois payée sur YouTube, quoi. Parce que j'ai pas encore activé tout ça, je ne sais pas faire. Et en plus, j'avais un problème avec ma boîte mail qui s'est bloquée parce qu'elle était trop pleine.
Là, c'est bon. Ma boîte mail remarche, donc je suis contente. Bref, je vais dégainer un tout petit peu. Aujourd'hui, il y a un petit peu de soleil. J'ai mis un haut de chez Kiabi, un vieux t-shirt de chez Kiabi, un jaune comme ça, un jean de chez Shein. Ma commande Shein est partie là, elle est partie. Donc je pense que je serai livrée la semaine prochaine. Donc j'ai trop hâte d'avoir ma commande. Donc voilà, pareil, le haul Shein, vous l'aurez au mois d'octobre aussi. Vu que j'ai tellement de vidéos en avance du mois de septembre, j'ai eu le temps de, pendant mes vacances d'été, de filmer pas mal de vidéos. Donc vous avez, attention, pardon, merci, je pense que vous avez dû me dire à t'essuyer. Je disais oui, vu que j'ai filmé pas mal de vidéos au mois d'août pour septembre, j'ai fait pas mal d'avance. Donc maintenant, les achats que j'achète au mois de septembre, ça sera les hauls au mois d'octobre. Voilà, je m'organise comme ça, j'aime bien avoir des vidéos en avance. Je me dis d'un sens, voilà, là en ce moment dans ma vie perso, c'est pas terrible, terrible. Ben, je me dis heureusement que j'ai des vidéos en avance parce que bah franchement, j'ai pas le temps de filmer. Là, je filme, je profite parce que mon petit mari dort. Mais je vais vous montrer, mais regardez-moi les beaux bouquets que j'ai eu hier. Alors, celui-ci c'est par mes beaux-frères et celui-ci c'est par mes parents. Il est trop beau. Regardez-moi ça. Comment c'est trop beau. Comment c'est trop trop beau. Magnifique et la belle rose. Et ça, c'est mes parents. Trop bien. On se retrouve lundi soir. Du coup, une journée de boulot est terminée. Après le boulot, on a été direction boulanger. Donc ça y est, on a commandé notre machine à laver. Elle arrive vendredi entre midi et 18h. Donc ça, c'est cool. Et on a été chez Action, surtout pour ça. elle nous a aussi lâché hier soir. Ça a explosé, en fait. Donc du coup en fait ce truc là était retiré et ben, je vais vous montrer l'ancien, ça sera plus parlant pour vous. Donc voilà, quand je vous dis ça a explosé, voilà, ça a vraiment bien explosé. Donc voilà l'ancien du coup. Et du coup j'en ai acheté deux comme ça, il y en a un que j'ai installé dans la salle de bain et l'autre au cas où si ça recommence au moins j'en ai. Donc c'est vrai que c'est pas cher, c'est celui de chez Action qui coûte 2,99€, donc c'est pas cher, mais je sais que j'en achète peut-être une fois par an, peut-être. Donc j'ai pris ça, hop, j'ai presque plus de batterie, je vous charge, hop, c'est bon. J'ai pris ça, j'ai pris aussi du coup un bifi, et monsieur a voulu prendre, je sais que c'est pas bon, mais bon, s'il a voulu. De temps en temps, il a pris Semikla, Milka là, Semikla là et Milka Oreo. Voilà, il a pris 3 tablettes de chocolat. Donc voilà, pour ça. On a été à Kiabi, mais ça je vous montrerai dans un haul dédié. J'ai acheté 3 articles et comme une bébête, j'ai essayé un vêtement en rayon et j'ai paumé mon gilet. J'avais un gilet gris ce matin. J'ai paumé mon gilet gris dans le Kiabi. Donc j'ai prévenu le Kiabi, j'ai prévenu à la caisse, ils ont pris mes coordonnées au cas où si ils le retrouvent ou si la femme de ménage le retrouve ou pas. Mais pour moi je pense qu'on me la chourave, je pense pas que je vais le avoir. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée parce que c'était mon gilet gris qui était trop bien, le gilet long là qui était long. Je suis dégoûtée, qui vient aussi de chez Kiabi, mais ça fait bien 3-4 ans que je l'ai. Donc un peu dégoûtée, c'est la première fois que ça m'arrive de paumer des trucs comme ça. Mais vu que en ce moment j'ai plein de tracas en tête, et ben je suis pas concentrée, donc je pense à 30 000 choses à la fois. Donc voilà, voilà pour ça. Du coup je suis contente, la machine à laver va arriver vendredi, trop cool. Comme ça je vais pouvoir faire tout le linge que j'ai à faire, je vais pouvoir le rattraper vendredi, en mettre une vendredi soir et puis le reste je le ferai le samedi. J'ai au moins deux, on va dire 3-4 machines à faire. Ou ouais, peut-être pas 4, 3, je dirais. Donc voilà. Voilà pour ça. On a mangé vite fait. On a mangé le reste du barbecue d'hier. Hein, d'ailleurs, qui était super bon. Poulet, saucisses, tout ça. Mes parents et mes beaux-frères sont bien régalés et tout. Bon, moi-même et mon mari. Donc vu qu'il nous restait des restes, et ben, on a mangé les restes. Le poulet. Et voilà. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve mardi matin, il est 8h, je vais direction le bus et le tram pour aller au boulot. Et puis voilà,
Vous avez vu, aujourd'hui j'ai fait un effort. Je me suis maquillée. Je me suis dit, t'as pas le moral, mais essaye de reprendre soin de toi, parce que j'avoue que je faisais plus rien, même plus mettre de crème et tout. Donc, je me suis dit, allez, vas-y. Essaye de prendre soin de toi, et puis voilà. Donc, j'ai mis, je vous montre de plus près le make-up. C'est une palette que j'ai testée, les nouveaux trucs que j'ai testés, que je vous en parlerai ce soir. Vous verrez. Donc, il y a deux produits de chez Action, un produit W7, un produit Adopt et un blush que Bérénice m'avait donné. Donc voilà. Ça m'ennuie parce que, comme vous savez, je vous ai dit hier, j'ai paumé mon gilet gris dans Kiabi hier et ça me saoule parce que je l'aimais bien. Il me cachait les fesses et j'avais des manches là. J'ai mis un vieux gilet de chez Camailleux. Mais il prend pas tous les bras. J'aimais trop ce gilet là. J'espère que Kiabi va m'appeler aujourd'hui pour me dire qu'ils l'ont retrouvé. Mais comme disait la caissière, ça l'étonnerait pas qu'un client ou une cliente l'a volé. Donc voilà. Donc je l'aimais trop. J'ai tellement de trucs en tête que j'oublie tout. C'est la première fois que ça m'arrive. Pourtant, moi, je perds jamais rien. Je suis tellement organisée, ordonnée, que je perds jamais rien. Donc voilà. Autrement, cette nuit, j'ai bien dormi. Ça m'a fait du bien. Hier soir, j'avais mal à la tête. J'avais mis l'amour est dans le pré. je vous cache pas que tellement j'avais mal à la tête, je me suis endormie devant. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, je le regarderai en replay. Je ne sais pas quand. Donc, voilà. Ou de gars, la chose que je suis contente, c'est que on a la machine à laver. Donc voilà. Allez, du coup, je vous laisse. Et je vous retrouve plus tard. Coucou tout le monde, on se retrouve le soir. Donc, mardi soir. Comme vous voyez, le temps, il est gris, il pleut, quoi, il cracine. Il a bien plu tout à l'heure. Donc, du coup, vu que j'en ai marre d'attendre les transports en commun le soir, je prends mon bus et le tram, je le prends pas. Je fais 15-20 minutes de marche pour rentrer chez moi. Et moi, ça me fait un petit coup de marche et de sport, surtout. Du coup, j'ai appelé Kiabi pour mon gilet. Comme je le savais, ils l'ont pas retrouvé. Je me doutais bien. Voilà, ils m'ont dit clairement qu'il a été volé. Ça me choque pas. Dans ce monde, plus rien me choque maintenant. Donc voilà, donc j'ai plus mon gilet gris, je suis triste, bon c'est de ma faute, j'aurais dû faire attention. Mais aussitôt je me suis aperçue que je l'avais plus, j'étais en caisse. Donc le temps d'aller le voir, il a été vite fait rapidement volé quand même. Donc voilà, pour les news, du coup voilà, je voulais vous dire juste ça. Du coup bah, je vais vous laisser, je vais rentrer, j'ai encore 5 minutes à pied, après je suis à la maison. Je vous laisse et je vous dis à plus tard. Et 5 minutes plus tard, je suis là, à la maison. Donc, petit make-up du jour que vous devez un peu mieux voir. J'ai une tête, laissez-moi. Donc, le make-up, je trouve qu'il a bien tenu quand même. Il est joli. L'highlighter, il est toujours là. Bon, le rouge à lèvres, évidemment, c'est plus là. Mais c'est pas le plus beau maquillage que j'ai fait. Mais voilà. Donc, je vais vous montrer. Du coup, le make-up du jour. J'ai utilisé cette nouvelle palette-là, là, de chez Action. Du coup, hop là, que je vais mettre un peu plus droit. Donc, cette palette-là. J'ai utilisé du coup pour le marronné ce marronné là, pour le vert j'ai utilisé ce vert là et après j'ai utilisé lui. Voilà, pour un peu estomper, nettoyer, j'ai pris ce farci. Voilà, voilà pour la palette. Franchement, on n'abaye pas de mine comme ça, mais elle est hyper bien pigmentée. Franchement, trop bien pigmentée. Donc voilà, je suis étonnée, franchement étonnée pour cette palette. Il y a 66 fards dessus, quoi, dedans. C'est écrit 66 là. Donc voilà, je l'ai mis à l'envers, mais voilà pour ça. Donc trop bien. Dedans, il y a des fards à paupières, des highlighters, des bronzers, des blushs, des gloss. Franchement, pas mal du tout. Ensuite, j'ai utilisé ce blush là que Bérénice m'a offert, Miss Guided Beauty là. Voilà. Hop. Il est très joli. Voilà, Miss Guided. Ouais, c'est ça. Si je ne me trompe pas.
Et en highlighter, c'est l'highlighter de chez Adopt, que j'avais acheté en solde. Je vais retirer le moins 50% là. Il est comme ça. Et l'highlighter, il se décolle parce que j'ai essayé de le décoller pour mettre dans une autre palette magnétique. Mais c'est pas grave, je le laisserai comme ça. Il est vraiment très beau. C'est un blanc, franchement, c'est un blanc. Il est très joli. Évidemment, j'ai mis mon doigt dedans comme une neuneu. J'ai mis mon doigt dedans. On adore, vous voyez, justement là. Bref, autrement, il est joli. Voilà pour ça. Hop, j'ai mis dans ma panière. Ensuite, pour les lèvres, les petites nouveautés. J'ai mis la petite nouveauté crayon à lèvres de chez Max Allure de chez Action en teinte 327. Et j'ai mis le petit gloss, le petit nouveauté là de chez W7. J'ai mis celui-ci sur mes lèvres ce matin. Voilà. Mon mascara, j'ai mis ce mascara-là qui est dans mon projet pan de chez Too Faced. C'est un bon mascara. Pour mes sourcils, j'ai mis le mascara sourcils de chez Essence. Voilà. Pour ça. Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui du coup mardi 4 septembre. Je viens de terminer le boulot et on a été vite fait à Lidl parce qu'il me fallait deux, trois petites choses pour ce soir. Pour ce soir, il me fallait de la mâche parce que je vais faire une quiche tomate. Voilà. Et au cas où, j'ai des tomates encore dans le frigo, mais s'il m'en manque, j'ai pris un filet de tomates. Pour le petit-déj, j'ai pris mes petites cracottes comme ça. Là, quoi. Cracottes, j'appelle ça des biscottes, donc comme ça, au blé complet. J'ai pris pour la pause, vu que j'ai presque plus de fruits, j'ai pris les galettes de maïs comme ça. Donc voilà, et j'ai plus d'œufs, donc j'ai repris des œufs. On est pour 7 euros. Voilà pour ça. Du coup, je vais préparer ma quiche le temps que ça cuit tranquillement. Et puis voilà, je vous montre en accéléré ma petite quiche. Donc, c'est simplement tomate, œufs, je vais mettre un tout petit peu de chèvre et ça sera très bien. Et voilà pour ma petite quiche tomate chèvre. Donc vous avez vu, voilà, j'ai battu mes œufs, j'ai mis du sel et du poivre. Après j'ai coupé mes tomates, j'ai coupé mon chèvre, j'ai mis ma petite pâte. Je l'ai repliée comme ça là, elle colle un peu. Voilà, j'ai peut-être coupé un peu trop de tomates, mais bon, j'ai tout mis dedans. Et puis voilà. On se retrouve, du coup, il est 18h23, ma tarte tomate cuite. Et en attendant, je me suis dit... Je vais leur parler de make-up. Donc vous voyez mon petit make-up, franchement il n'y a rien de ouf. C'est juste un seul fard à paupières, un coup de mascara et basta. C'est un petit make-up à l'arrache. Donc je me suis maquillée avec cette palette-ci de chez Yves Rocher. C'était une édition de Noël il y a 3-4 ans. 4 ans. Ouais, il y a 4 ans. C'est mes parents qui me l'ont offert. Je ne peux pas m'en séparer. J'aime pas trop le make-up de chez Yves Rocher, mais celle-ci, elle est sentimentale. Je peux pas m'en séparer d'une. C'est mes parents qui me l'ont offert. Et de deux, ce Noël-là, c'était un des... Ça faisait longtemps que c'était un des plus beaux Noëls. On était tous en famille, mais malheureusement, actuellement, il manque quelqu'un dans notre famille qui n'y est plus, qui a rejoint les étoiles. Et du coup... Bah, ça me rappelle aussi cette personne, ce Noël. Donc, je peux pas m'en séparer. Bref, tout ça pour vous dire que c'est sentimental. Donc, je me suis maquillée avec... Alors déjà, je trouve qu'elle est quand même bien. Parce qu'il y a deux blushs et un highlighter. Je trouve déjà, c'est déjà pas mal. Et il y a quand même des couleurs assez noëliques quand même. Il y a ces trois couleurs-là qui sont vraiment jolies. Le vert, je crois que j'avais déjà utilisé. Il y a un petit bronze. Il y a des mattes. Il y a combien de mattes là-dedans? Il y a que deux mattes. Et les trois mattes. Et les autres, c'est des irisés. Elle est pas mal, mais j'ai connu mieux. Bah, après, ça va faire 4 ans. Donc, voilà quoi. Mais là, je me suis maquillée avec celle-ci. Demain, je ne peux pas me maquiller parce que j'ai rendez-vous chez l'ophtalmo. Donc, vendredi, vous verrez un make-up avec un de ces trois fards-là.
On verra lequel fard. Et je vais utiliser le blush et l'highlighter. Je vais maquiller qu'avec ça vendredi. Et je vais clôturer le vlog vendredi. Parce que là, j'ai pas monté mon vlog du tout. Ça fait à peu près 2 semaines que je vlog. Et du coup, j'ai 1h30 de rush. Donc, ça fait beaucoup, je trouve. Presque, si je continue comme ça à papoter, je vais faire bientôt 2 heures de vlog. Donc, je vais commencer à faire mon montage vidéo. Et puis voilà, je vais faire ça tout de suite. Donc voilà pour cette palette, pour cette histoire. Et puis, j'ai mis toujours ce mascara-là de chez Too Faced. Et le gloss aussi, celui-ci, ce petit gloss-là. Voilà pour ça. Moi, je vais vous laisser là. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas mieux que moi. Vous avez vu que j'ai des petits yeux, oui, parce que j'ai appris une très mauvaise nouvelle aujourd'hui. Donc on voit que j'ai beaucoup pleuré, j'ai énormément pleuré, la nouvelle est dure à encaisser. Je ne rentrerai pas dans les détails, juste que quelqu'un de ma famille est très gravement malade et ça me tracasse énormément. Donc... voilà, la nouvelle est très dure à encaisser. Bref, je parle pas trop de ma vie personnelle, mais je suis obligée de vous le dire. Ça se voit sur ma tête que j'ai une tête complètement déterrée. On voit que j'ai les yeux gonflés. J'ai fait que de pleurer aujourd'hui. Donc voilà, je tenais à quand même clôturer ce vlog aujourd'hui. Comme vous avez vu, j'ai choisi hier mes nouvelles lunettes. J'ai hésité sur 2 paires. Donc vous verrez laquelle que j'ai choisie, mais je vous la mettrai en photo là dans le montage. Aujourd'hui, la chose que on va dire qui est positif, j'ai reçu mon énorme colis Shein qui est là. Je ferai la vidéo dimanche parce que j'ai vraiment pas la tête à ça. Il est énorme. Voilà. Et surtout, on a eu, je vous mettrai en photo ici, la livraison de notre machine à laver. Donc ça y est, là, je l'ai mis en route. J'ai commencé à faire une première machine. Parce que j'ai au moins, depuis la semaine dernière qu'elle nous a lâché, donc j'ai bien 5 machines à faire. Donc voilà. Voilà pour ça. Je crois que j'ai juste ça à dire. Je ne vais pas blablater plus ce que j'ai à dire en fait. Donc voilà. Je ne vloguerai pas la semaine prochaine, je fais une pause, j'en ai besoin. J'ai besoin d'être près de ma famille, surtout de la personne qui est malade. Donc voilà, je ne vloguerai pas du tout ma semaine prochaine ni mon week-end. Je fais une pause d'une bonne 1 ou 2 semaines sur les vlogs. Vous avez déjà des vidéos pré-filmées, c'est pour ça que je suis trop contente quand je filme des vidéos pré-filmées, parce qu'au moins je suis tranquille, j'ai pas filmé. Donc, merci voilà. Déjà pour vos messages où je sais que vous allez être bienveillants, vous allez dire bon courage, machin, truc, pour ma petite mauvaise nouvelle, quoi. Ma grosse mauvaise nouvelle. Bref, merci par avance pour vos messages, pour tout. Merci pour tout. Voilà. Dans la vie, il y a des hauts et des bas, mais là, je suis vraiment au plus bas. Donc, voilà. Faut se battre et profiter surtout des gens qu'on aime, profiter de franchement des gens que vous aimez. Vous prenez pas la tête pour rien, ça sert à rien, parce que la vie elle est courte et faut profiter des gens tant qu'ils sont vivants. Donc voilà, sur ce beau message je vous laisse, je vous fais des bisous, merci encore pour vos abonnements, pour tous vos messages, pour vos pouces, pour vos vues, merci pour tout, et je vous retrouve prochainement dans un prochain vlog. Allez, bye bye.